Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans cet épisode 51 et dernier épisode de l'année 2020 de Au Coin du DVD. Et encore une fois, on va se replonger dans les nombreuses sagas que j'ai dans, dans mon étagère centrale de ma DVD Tech. Euh, j'avais évoqué déjà pas mal de sagas que j'avais la semaine dernière. C'est vrai que j'ai pas parlé de quelques sagas d'horreur que j'ai. J'ai notamment la saga Saw, j'ai notamment la saga Paranormal Activity. Euh, que personnellement je trouve bancal mais que je ne peux pas m'empêcher d'apprécier notamment le premier même si je sais qu'un certain Anthony Pazouna euh, déteste le premier bah désolé Anthony mais regarde il est là il est dans une belle édition DVD et personnellement je l'aime beaucoup euh, et du coup je me suis penché là-dessus et je me suis dit que c'était vrai qu'on avait quand même pas mal abordé de films de genre cette année dans au coin du DVD et je me suis dit qu'on allait finir par une saga une trilogie qui est connue voire très connue Tellement connu qu'il y a des gens qui connaissent le film, les films ou le film, sans avoir vu un seul épisode, uniquement par le biais de son pitch. Ce qui ne m'étonne pas parce que la saga Human Centipede est presque renommée uniquement par le biais de son titre. Et je suis très fier d'avoir cette magnifique collection de trois DVD de l'éditeur Condor parce que aujourd'hui c'est devenu quasiment introuvable ces éditions parce que je dirais pas qu'ils ont eu honte de sortir les trois Human Centipede mais clairement lorsqu'à l'époque il y a eu le troisième ils ont sorti un coffret avec la trilogie et je crois que rapidement ils se sont dit ouais on va vite leur tirer du marché parce que je sens que sinon on va se faire allumer parce que vraiment dans le genre c'est c'est pété c'est clairement pété. Euh, comment je pourrais résumer la saga Human Centipede Alors en gros, c'est trois films qui se superposent les uns aux autres. C'est-à-dire qu'il y a le premier film où c'est un scientifique fou qui va faire un mille pattes humains. Dans le deuxième, c'est un fan du premier qui va essayer de faire un mille pattes humain, mais de manière sale. Et dans le troisième, c'est un fan du deuxième film qui veut lui aussi faire un centipède, mais avec des prisonniers. C'est méta, pas forcément, je pense, dans le bon sens, mais Tom Six est un metteur en scène complètement fumé. Alors, déjà, je ne sais pas si vous connaissez la petite anecdote, mais je ne peux pas m'empêcher de vous la sortir. Est-ce que vous savez comment il a eu l'idée de The Human Centipede Eh bah, bien, à la base, Tom Six n'était pas forcément un gars plus fêlé que ça, c'est-à-dire qu'en fait, il avait prévu avec sa femme, qui est donc l'une des productrices du film, mais également sa co-créatrice, euh, il avait pour objectif de potentiellement imaginer faire un mille pattes. Enfin, de prendre un mille pattes et de faire un documentaire sur ce qui se passerait lorsqu'on couperait le mille pattes en plein de petits morceaux et de voir si justement bah, chaque partie allait vivre son petit bout de chemin toute seule ou si elles euh, bah, allaient essayer de se réemboîter les unes aux autres. Enfin, et sa femme lui a dit Mais bah, ça sert à rien, fais un mille pattes humain et puis ce sera bien plus cool. Alors c'est la légende, hein. ça se trouve. Euh c'est complètement faux, mais cette légende me fait particulièrement rire d'imaginer qu'à un moment, le mec était très sérieux et qu'il y a sa femme qui lui a balancé une idée à moitié en déconnant et que lui s'est dit ⁇ Ah bah ben vas-y, je vais faire trois films avec ça, hein, ça va être nickel Ça me subjugue d'imaginer des choses comme ça. Alors moi, personnellement, la saga, je la trouve drôle, sauf le 2. Le 2, je trouve que c'est un moment très difficile. Heureusement, le 2, si j'ai bonne mémoire, c'est le plus court, il dure 1h20 à peine. Je crois, si je ne me plante pas, je vérifie histoire de ne pas vous dire de bêtises. Ouais, c'est ça, il dure 1h28 et ça, c'est la version longue avec euh, la fin hyper trash et dégueulasse. Enfin voilà. Enfin, est, le 2 est, est, est catastrophique. Hein. Le 2 n'est pas drôle à voir. Le 2 est excessif et le 2 est en noir et blanc, version hauteur. Sauf qu'il y a une couleur dans le film. Je vous laisserai découvrir si vous ne savez pas quelle couleur c'est. Mais en tout cas, ce n'est pas une couleur très ragoûtante. Et ce n'est pas le sang, si seulement c'était le sang. Mais le 1 et le 3, j'ai tendance à beaucoup les apprécier parce que je trouve que dans le 1, il y a le délire qu'on découvre pour la première fois et ce qui est intéressant c'est que tom six a cette idée assez saugrenue de utiliser le premier degré à fond et donc du coup bah de... <laughs> je sais pas de, de se dire qu'au premier degré bah mettre un scientifique fou qui veut faire un mille pattes humains ça va être ça, ça va être crédible donc du coup l'idée est saugrenue et complètement déjantée mais ça fonctionne et, et c'est amusant à regarder et le 3 ce qui est drôle c'est que là il a choisi d'aller dans l'extrême et il va tellement dans un extrême qu'il se permet des trucs, enfin je veux dire, j'ai rarement vu un cinéaste se dire que c'était rigolo dans le même film de caler euh, Robert Patrick et en même temps euh, une star du porno. Euh, qui soit dans le même film avec les deux acteurs du premier et des caméos venant de nulle part, y compris du réalisateur Tom Six qui vient littéralement conseiller les gars de la prison pour leur dire Ah ouais, non, mais euh, moi j'ai quand même fait un doctorat en sciences, donc je peux vous dire que si vous faites comme ça et comme ça, ça ne marchera pas. Le 3 est une parodie. C'est ça qui est drôle en fait. Le 1 est un film très premier degré. Le 2 est un film avec du second degré, mais poussé dans un extrême tellement glauque que ça n'en est pas si fun que ça, et ça en est même plutôt laborieux, et je pense que c'est pas pour rien d'ailleurs que le deuxième est l'un des épisodes qui est le moins apprécié, parce que le 1 fait marrer tout le monde, le 3, tout le monde trouve que c'est trop une grosse blague, et le 2, il est un peu calé au milieu, en mode... Bah, peut-être qu'il aurait fallu déjà que la blague elle, soit dans le deuxième, ou alors peut-être qu'il aurait fallu une autre forme, je ne sais pas, parce que peut-être que voir un petit gros avec des yeux exorbités euh, se masturber euh, avec du papier de verre sur le premier Human Centipede, bah, c'est pas très très drôle. Et c'est pas non plus très agréable à regarder, parce qu'en plus, bien évidemment, vous vous doutez bien que vu, de, vu que c'est le réalisateur de, Tom, de, de Human Centipede, il, il nous montre ça. Bref, c'est traumatisant. Ça et un bébé. Euh... Voilà! Bref, ça ça me fait mal au cœur d'y penser. Mais le 1 est vraiment un film que j'apprécie beaucoup, que je trouve très amusant à regarder, même si c'est bon, c'est glauque mais c'est amusant. Et le 3 est une parodie complètement déjantée et fumée, qui va mettre en scène des acteurs qu'on n'aurait jamais imaginé dans ce genre de film, mais dans un délire où du coup, bah, ça ne peut que sonner drôle, et personnellement... J'adore ça, je trouve ça vraiment fumé et assez jouissif. Il y a plein de séquences qui me font mourir de rire. Euh, après, pour être sincère, niveau bonus, euh, à chaque fois, c'est très limité. Il y a vaguement quelques making-of qui se battent en duel. Le 2, il n'y a rien. Il y a un entretien avec le réalisateur et quelques coulisses de tournage. Et encore, c'est très light. Donc, je pense que le 2 a dû être un enfer à tourner pour Tom 6 ou peut-être que c'était un parti pris. Mais le 3 et le 1, il y a quand même pas mal de choses à se mettre sous la dent. C'est quand même assez amusant. Et, et je veux dire. Rien, de, rien que cet acteur, dit au Lars, que dit au Laser, que, que Tom Six a dégoté de je ne sais où, qui a une tête de néo-nazi, mais alors euh, plus nazi tu crèves, il est extraordinaire dans ce rôle, je veux dire, lui il incarne parfaitement la saga, il a réussi à cristalliser quelque chose par le biais de sa performance, qui est, est jouissive, que ce soit le, dans le 1 ou dans le 3, il a quelque chose et, et je trouve ça extraordinaire, mais... Bon après, je sais que ça reste une saga qui n'est pas accessible à tout le monde parce que c'est une saga qui n'est pas faite pour les âmes sensibles, qui peut être extrême par instant, qui peut faire un petit peu mal au cœur, mais, mais on se marre bien devant quand même. Et puis c'est quand même l'un des rares DVD où vous avez une phrase d'accroche de Hallociné avec marqué franchement malsain. Depuis quand c'est un commentaire Ça n'est pas une critique, franchement malsain c'est un constat. C'est extraordinaire, dérangé, trash, ce sont des constats. Ce ne sont pas des critiques, ce sont des constats. Et d'ailleurs, ça disparaîtra à partir du deuxième, parce que le deuxième, c'est le pire était à venir, et le troisième, c'est derrière limite on a été franchi. Les DVD qu'on fait, qu fait Condor, ils sont magnifiques. Franchement, rien que pour les petites phrases qui a marqué un petit peu à gauche et à droite, c'est extraordinaire à mater. Mais ouais, si vous êtes motivé, que vous avez un estomac bien accroché et que vous voulez vous taper une barre, regardez les trois de centipèdes de Tom Six. Je pense que ça pourrait bien vous faire rire, en attendant de voir ce que son prochain film va donner, parce que. Personne ne veut le sortir en France et je ne peux pas les blâmer vu la gueule que semble avoir le long métrage, mix très étrange entre une partouze et Ice White Shot. Sachant que Ice White Shot, est déjà une partouze soft. Bref, c'est un autre débat. Ainsi s'achève cet épisode 51 de Haut Coin du DVD, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous connaissez la saga Human Centipede, ce que je pense est le cas dans de petits coquins, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ou si vous vous êtes dit qu'à un moment, dans un instant de perdition, vous alliez mater la saga Human Centipede, eh ben dites-moi juste après dans quel état vous êtes, je pense que le petit vomi en fin de gorge, il doit être en train de délicatement remonter. Et d'ici là, ben je vais vous souhaiter une bonne année, vu que c'était le dernier épisode de Haut Coin du DVD de l'année 2020. Et on se retrouvera peut-être à un autre moment pour continuer d'explorer ma DVD tech ou autre chose. Et je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.